20 000 francs de bénéfices par jour avec ces différentes idées business. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. J'espère que vous vous portez bien de là où vous êtes en train de me regarder en ce moment. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je fais un gros coucou aux anciens abonnés. Comme toujours, c'est avec plaisir que j'allume ma caméra. Je vous suis, bref, je vous suis parce que de toutes les façons, on est là, on est connecté. C'est un peu comme si je suis en train de parler à un de mes parents. Oui, parce que vous faites partie de la famille. Comme vous avez dû le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons encore partager une fois de plus des idées business assez croustillantes. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Premier critère, s'il vous plaît, laissez passer les publicités. Si vous voulez les publicités, vous les laissez passer. Vous commentez, vous partagez et n'oubliez pas de liker. Pardon, pardon, il faut liker. Il faut liker. Donc, sans toutefois tarder, je vais me jeter dans le vif du sujet. Et à tout à l'heure. La première idée business ici dont j'aimerais te proposer, il s'agit tout simplement du business des gaines amincissantes. De nos jours, plusieurs femmes veulent porter des robes sexy. Plusieurs femmes veulent entrer dans leur jean. Plusieurs femmes veulent se mettre à l'aise, veulent aussi suivre la mode, mais il n'y a pas moyen parce qu'elles sont complexées à cause de leur prise de poids. Si je ne dis pas la vérité, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Nibel, vois encore ce que tu dis là. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'une femme prend du poids, elle a du mal à se regarder, ne serait-ce que dans la glace. Elle a du mal. Elle se pose tout un tas de questions. Lorsqu'elle a même un événement, elle veut porter son habit, elle se pose tout un tas de questions. Est-ce que je vais être bien? Est-ce que ça me va? Comment est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que tu ne te positionnes pas comme celle-là ou celui-là qui propose cet article-là? Oui. Pourquoi je dis celui-là? Simplement parce que de la même manière qu'on retrouve aujourd'hui les hommes qui font le domaine, qui font dans le domaine des femmes, il y a aussi des hommes là qui sont impliqués à fond même dans le coaching. Ils sont impliqués à fond dans le coaching de perte de poids. Et ces hommes-là associent même des gaines dedans. Vous pensez qu'eux, ils associent parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils savent l'importance de l'argent qui se cache derrière. Ils savent l'opportunité. Parce que qui dit problème, dit solution. Et ça peut être que c'est toi qui es en train de me regarder à cet instant qui doit apporter une solution miracle. Oui, parce que si vous ne le savez pas, la gaine fait partie des produits miracles qui puissent exister sur cette terre. Simplement parce que lorsque tu portes ta gaine, de là à là, ton problème est résolu. Même si après, quand tu vas retirer la gaine, tu vas revenir à la réalité, mais au moins la gaine t'aura permis de pouvoir entrer dans une certaine normalité. Tu vois un peu? Donc, tu vas me regarder en mode, ouais, je prends la gaine ou je vais me fournir ou non. Aujourd'hui, vous avez tout simplement Alibaba, vous avez AliExpress, vous avez Shein, ces plateformes sur lesquelles vous pourriez aller vous fournir afin d'avoir vous aussi votre stock de marchandises. Je pense que sur cette page, il y a déjà une longue vidéo qui vous parle de comment trouver des fournisseurs sur Alibaba. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et partir trouver des fournisseurs de gaines amincissantes. Et s'il y a possibilité, trouver des gaines qui puissent permettre que la femme aille faire ses besoins en toute tranquillité. Aujourd'hui, il y a des gaines qui viennent par exemple déjà avec un trou. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais juste vous mettre une photo ici et vous allez voir ce dont je suis en train de parler. Lancez-vous dans ce business et vous allez revenir si me dit en commentaire, Nibel de Rivian, tu avais raison, je me suis fait un sac d'argent avec ce business dont tu as parlé. Oui, parce que la réalité avec le business est gain et que tu vas prendre ta gain sur Alibaba à un prix de 5 000 francs, tu vas prendre ta gain à un prix de 10 euros, 15 euros et c'est quelque chose que pour revendre, tu es capable de mettre plus 20 euros dessus, plus 30 euros. Il y a même des sites internet qui vendent des gains à 75 euros. Mais après, à combien est-ce qu'ils ont pris ces gains-là? Donc, tout, c'est seulement le marketing. D'abord, commencez par trouver un bon fournisseur. Ensuite, c'est trouver tout simplement la personne qui va aller avec votre produit.
Donc, alors, la deuxième idée business ici que j'aimerais vous proposer, s'agit tout simplement du business des brumes parfumées. Vous avez très bien compris. Vous savez à quel point tout le monde veut sentir bon, mais à quel coût? On sait très bien que, pour des raisons que je ne peux citer parce qu'on ne sait jamais, YouTube peut bloquer ma vidéo pour ci ou pour ça. Vous allez avoir les parfums, mais ça va coûter combien? Ça coûte tellement cher. Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas de vous positionner comme cette personne-là qui vend des brumes parfumées? Qui vend des brumes parfumées? Vous allez me demander que, mais Nibel, on trouve le fournisseur. Oh, mais sur Alibaba. Alibaba, allez regarder. J'ai mis le lien de cette vidéo en bas d'infos. Allez regarder cette vidéo et vous choisissez votre fournisseur de brumes parfumées. Déjà, une chose est sûre, tout le monde aime sentir bon. Tout le monde aime quand il va passer, on va dire que waouh, tu as mis quel parfum, j'adore. Il y a des personnes, même que malgré le fait qu'ils ont déjà des parfums, en sortant de la maison, ils vont mettre au moins trois parfums sur eux. Ils vont mettre brume parfumée, ils vont mettre parfum ceci, parfum cela, eau de parfum, ajouter même l'eau de quoi. Ajouter tout, 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 tout. Imagine-toi un peu, tu passes sur Alibaba, tu prends tes brumes parfumées. Oui, parce que sur Alibaba, on vend les brumes parfumées en fonction des millilitres. Ça peut être que tu vas trouver 200 ml, tu vas trouver 500 ml et tout. Et en fonction de ce que tu veux, tu discutes avec le fournisseur. Parce que tout réside aussi dans la discussion avec le fournisseur. Bien évidemment, on ne se concentre pas seulement sur un fournisseur. On essaie de se concentrer sur plusieurs fournisseurs. Pourquoi? Parce que dans un business, si tu veux faire ton business et tu veux te concentrer seulement sur un fournisseur, sois-en sûr que tu vas aller tout droit vers un mur. Pourquoi? Parce que lorsque ça ne va pas aller avec ce fournisseur pour un motif ou un autre, à tout moment, tu vas vouloir tomber dans la dépression, oui, parce que lorsqu'il s'agit de business, à tout moment, tu peux partir en dépression sans comprendre ce qui s'est passé, hein? Vous allez partir en dépression, vous allez vous fâcher, pourquoi? Pourquoi vous allez rester là taper? Alors que si vous avez eu un autre fournisseur, vous devriez tout simplement foncer et poursuivre votre objectif. Bien évidemment, quand vous allez causer avec le fournisseur, vous allez lui demander, est-ce que je peux avoir tel goût? Est-ce que je peux avoir tel... Non, quand c'est terminé de parfum, est-ce qu'on parle de senteur? Bon, bref, senteur. Est-ce que je peux avoir telle senteur? Est-ce que je peux avoir telle senteur? Et pour pousser le bouchon plus loin, vous allez contacter au moins trois fournisseurs. Trois fournisseurs, minimum trois fournisseurs. Vous allez leur demander de vous envoyer des échantillons. Des échantillons, parce que c'est bien beau à distance. Comme on te dit qu'il y a la vanille, il a la mangue, il a ceci, il a cela comme senteur. Mais tant que vous n'avez pas ça devant vous, vous ne pourriez pas vous décider. Donc, avant de prendre des méga giga stocks, s'il vous plaît, prenez d'abord des échantillons. Je dis ceci, prenez d'abord des échantillons. D'abord, il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. Et de toutes les façons, si vous avez besoin de mes services, vous connaissez déjà où me trouver. Mon numéro se trouve en bas d'infos. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent commander du côté de la Chine et qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'une personne qui va leur tendre la main, bien évidemment, je suis là. Je vous accompagne comme d'habitude, de manière très, très volontaire. Je suis là. Donc, n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin, bien évidemment, et à prendre mon accompagnement à ça. Troisième idée business que je vais vous proposer, s'il s'agit tout simplement du business des petits sacs. Écoutez-moi très bien, je n'ai pas dit des sacs à main, j'ai dit des petits sacs. Hein? Si vous suivez la mode, vous savez à quel point les petits sacs sont devenus très très tendance en ce moment-ci. On ne veut plus voir les gens avec des gros sacs comme à l'époque, non. La donne a changé. Maintenant, on veut des petits sacs. Vous allez me demander que Nivelle, on trouve les petits sacs. Vous avez Alibaba. Vous avez la Turquie, ces deux pays-là, vous avez la, vous avez une panoplie, j'ai dit une panoplie de design, de tellement, tellement de beaux trucs, de chic trucs. Je sais même pas, bref, je pense que je vais laisser quelques petites captures d'écran qui vont défiler là. Et bien, vous pouvez très bien constater que aujourd'hui là, vous n'avez plus le droit de me dire non. Nibel, on réfléchit, on ne sait pas ce qu'on va faire. Hey, avec les idées business que je suis en train de te donner là, si tu es encore en train de réfléchir, tu me dis que tu n'as pas trouvé ta part de business, écris-moi en commentaire, je n'ai pas trouvé mon idée business. Et bien évidemment, je vais renouveler autant de fois que je peux. Et j'espère qu'un jour, tu finiras par trouver ton idée business. Donc, et si toi aussi, tu as besoin d'un accompagnement afin de faire tes achats du côté de la Turquie, tout ce que tu as fait, c'est de me contacter à travers mon numéro qui s'affiche là. Et avec grand plaisir, je me ferai un grand, grand, grand plaisir de t'accompagner. Bon, avec plaisir, je me ferai un grand plaisir. Désolée pour la tautologie, mais bon, ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser des likes, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. À tout à l'heure.